Je m'appelle Yaël et Patrick, tu te fais revenir sur scène. Voilà. Alors, mademoiselle, monsieur, enfin madame, pardon, excusez-moi. Petite impro à vous donner, là aussi, mais là c'est moi qui ai choisi le sujet. Bon, voilà, pour une fois. Alors, aujourd'hui, 1er avril, je suis étonné d'ailleurs, personne n'a proposé comme sujet de chanson Poisson d'avril. Hein, c'est trop bateau, voilà. Alors, aujourd'hui, mon grand ami Marcel Amont a 85 ans. Ça se voit pas, il est en pleine forme, il fait toujours de la scène, il fait ses acrobaties, il monte sur une chaise, il monte sur le dossier, la chaise tombe, etc. 85 ans, il faut le faire. Voilà, alors donc, vous allez me parler, improviser un texte sur les octogénaires qui sont en pleine forme, comme lui, et j'ai intitulé cette impro que je vous demande « L'octomobile ». Voilà. Vous avez 20 minutes. Voilà. L'octomobile. Alors voilà, donc c'était l'Octomobile. Voilà. En l'honneur de Marcel Amont. Ah, tu te mets au piano carrément? Juste pour faire des accords de plus. Hein. Parce que je vais demander un texte, mais j'ai pas. Alors, il n'y a pas de grande musique. Hein. C'est du Marcel Amont. Il a 80 ans passé et se balade à bicyclette. C'est un homme pressé qui a un clown dans sa tête. Il se lève à 6 heures pile et va jouer dans la mer. Il se parfume et s'épile et refuse d'être un grand-père. Octomobile, c'est un vieux débile, disent les jeunes, mais il sait que la vie défile et veut danser sur un fil, c'est plus fun. Il a un cœur en lingots d'or et sa peau tombe en mille feuilles. Il ne vivra pas des milliers d'heures. Avant de faire ton deuil, va lui dire: papy, je t'aime. Octomobile, c'est un vieux fragile, jeune, mais il sait que la vie se défile et mes larmes coulent sur mes cils. Papy, je t'aime.